Yo tout le monde, c'est The Basket 46, j'espère que vous allez bien, comment ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Draft Simulator for FUT 18. Aujourd'hui ce sera une draft FUT 17. Donc on va prendre draft rétro que FIFA 17, quoi, faut pas être con pour comprendre ça. Donc si vous avez des idées de concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis ben on commence. Laissez un like, ça fait toujours plaisir. Et on y va. Draft FUT 17. On va prendre 4-3-2-1. Et en capitaine, on aura Karim Benzema. Donc ça me rappelle quand même le jeu de l'année dernière, le Draft Simulator. For FUT 17, là où tout a commencé, n'est-ce pas? Ah oui, évidemment, ça restera marqué. Bah oui. Donc, j'allais dire ça part sur de la Liga, mais en même temps, je commence à avoir l'habitude. Il n'y a pas que ça, mais bon. Généralement, c'est... Généralement, les drafts, c'est des Liga. Oula, c'est des ligas. Donc, si on pouvait avoir beaucoup de joueurs de ligas, ça serait bien. Avoir du Totti, pourquoi pas. C'est, ce serait pas mal. Asensio, quoi, à l'époque où il... Il avait une carte un peu nulle. Il avait même eu 4 étoiles de geste technique, je crois, à la fin de l'année. Seulement à la fin. Hop. Bon, bah voilà. On a centre collectif. Alors, on va prendre Cavani. Diego Costa qui est à l'Atlético. Et ça, oui, ça y est, il joue aujourd'hui. Donc, enfin, je crois. Je sais pas du tout à quelle heure. Faut que je vois ça. Oh putain, fait chier. Faut que je vois à quelle heure il joue. Peut-être Vitolo aussi qui joue, pourquoi pas. Et enfin, on terminera avec la légende, Totti. Qui ne sera peut-être pas sur le banc finalement. Sissom. On va faire une deuxième draft après. Parce que. Cette draft-là, elle est pas ouf. On espère gagner. Cinq, quatre, six, quatre. C'est quoi ce match? C'est victoire 6-4. Pourquoi pas? Si vous avez également des idées de vidéos que je peux faire sur FIFA 18 directement, bah dites-le moi en commentaire. Pourquoi pas reprendre ma future jeune équipe? Quoique ça serait peut-être un peu tôt, parce que les jeunes joueurs, il n'y en a pas tant que ça qui se dévoilent chaque année, hein, il n'y en a pas des millions. Je sais pas. Je ferai peut-être un concept pour la Coupe du Monde. En tout cas, je pense que je le ferai sur Draft Simulator. Si le jeu n'est pas enlevé de mon téléphone comme l'année dernière. Ça serait mieux. Et ben on finira sur une victoire. Pack à 50 000. Boost, mais pas d'animation. Ce sera Evans. Evans.
Ok, bon, on va faire une deuxième draft. Ah oui, une info aussi. On s'en fout un petit peu, mais que je dis quand même. J'ai terminé le mode aventure. Voilà. Je sais, c'est fort intéressant. Je sais, je sais. Alors, 4-3-3, faux numéro 9. Non, il me faut un bon capitaine. Enfin, je dis pas qu'il est pas bon, je kiffe ce joueur. Ah putain, j'ai combien de batteries? 30. Non, moi ce que je veux, c'est genre un Messi ou un Ronaldo. Ah bah voilà, Ronaldo 98. Messi 99, c'est des joueurs comme ça que j'attends, moi. Mais qui font du collectif entre eux quand même. Kolosiezak, tout le monde l'a oublié lui. Je pensais qu'il allait être bon, moi, dans les années à venir. Au final, c'est une déception. Moi, j'entends plus parler de. Lui, personnellement. Koulibaly. Juan Fran. Mélan. Hernandez. Hop. Voilà. Pizarro, Ben Yedder, il faudra un milieu offensif. Ouf. Je prends une Godin. Et un milieu central aussi. Milieu central, Gisco. C'est parfait. Et on est en train de faire une grosse draft, on peut peut-être atteindre la 191. Bon, maintenant on n'a plus besoin en fait de milieu offensif, vu qu'on a déjà centre collectif. Et oui, j'étais heureux parce que ça a rimé. Et voilà, 191. Voilà, donc, eh ben, je crois que c'est ma plus grosse draft cette année. Je suis pas sûr, mais on va sauvegarder. Voilà quand même. Draft. Qu'est-ce que ça bug? OMG, OMG. Avec des flèches rouges et des bonhommes choqués. Là, 6 francs. Franchement, ça serait pas logique. Trois, quatre. Allez. But. Oui. Oui, allô? Le téléphone en bas qui se rompt. 2-1. Victoire. Ronaldo, c'est bien ça. Carvajal. Ok. Et enfin, contre Manchester City. Désolé si vous entendez un petit peu crier. Ah bah oui, bah, je
J'ai un téléphone dans la main, je peux pas répondre à l'autre, hein, donc c'est pas moi qui réponds. La victoire reviendra au Boss FC. On aura de la merde, ce sera Rodriguez. D'accord, super, on a de la merde. Bref, si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Commentez, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. J'ouvre un pack fut champion. Puis sinon, bah moi je vous dis à la prochaine. Bye.